Ça nous permet d'être vraiment vigilants sur l'hygiène dentaire des résidents et surtout ça maintient les équipes en alerte. Bonjour, moi c'est Sarah. Bonjour, moi c'est Paul. Bonjour, moi c'est Marilou. Bonjour, moi c'est Antoine. Bonjour, moi c'est Bouchra. Alors nous on est en cinquième année, donc il faut savoir que dans notre prise en charge, dans notre formation, on a des demi-journées okay. de service sanitaire où justement on va avoir avec les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants, comment les prendre en charge, comment ça se passe dans les établissements spécialisés et comment nous être sensibilisés pour ensuite pouvoir s'adapter en cabinet pour pouvoir les prendre en charge et également faire de la prévention pour qu'elles soient mieux prises en charge dans leur établissement au niveau de l'hygiène bucco-dentaire majoritairement. On est bon. Bon, c'est pas mal. Tiens un peu trop sur la gencive. On décale. Ma fonction d'être soignante, je trouve que ça fait partie de notre rôle. Admettons quand je suis sur les unités. Je vais souvent être amenée à leur rappeler ou même à les accompagner, à leur montrer et les sensibiliser en fait à leur hygiène dentaire. Sur l'importance des soins dentaires, parce que ça a des conséquences sur l'alimentation qui peuvent après avoir des répercussions sur l'état général de santé des résidents.